La main dans les airs. Est-ce que vous êtes là encore? Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a mal des prix, mais sûr depuis longtemps. L'hiver est long, j'ai besoin de changement. Je veux le savoir des plus grands. Apporter à mes pieds de l'or et de l'argent. L'angle s'amincit plus près du sommet. J'ai sauvé ma vie malgré le décret. Ma condition est la somme de mes actions. Mes passions deviennent mes obsessions. Quand j'ai tort, mon esprit reste actif. Face à la mort, je reste toujours positif. J'ai confiance en personne, la vie est faite ainsi. J'ai payé ma dette, je suis un affranchi. Quand j'ai tort, mes rêves sont intenses. Ils me rapprochent de la démence. J'ai confiance en personne, la vie est faite ainsi. J'ai payé ma dette, je suis un affranchi. Jean Gardy, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui croit dans le potentiel humain, qui croit que chaque personne peut avoir sa destinée. Donc, je suis un poète, un conférencier, un fier père de famille qui utilise la musique comme médium pour créer un réel changement à travers le monde. Et grâce au festival Afropolitain Nomade qui m'a donné cette opportunité, c'est ce qui m'a permis d'être ici avec vous à Dakar aujourd'hui. Mes parents sont d'origine d'Haïti, ils ont immigré au Canada et moi, je suis né au Canada. Donc, c'est exactement mon parcours, les choses que j'ai faites. Le message principal, qui est la base de tout ce que je suis, tout ce que je dis, si vous le voyez dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans vos mains. C'est ce que ça veut dire. Que l'homme ou la femme a la capacité de créer et de concevoir sa propre réalité basé sur ses efforts et ses expériences. Et qu'il faut se développer et atteindre un plus haut niveau et pratiquer le bien. Ce que je viens de dire là, on le retrouve dans ma musique sous toutes les formes. On vit dans une époque où il faut toucher le plus de monde possible. Où ce que je dois présentement utiliser les pop comme un véhicule pour transmettre cette idéologie parce que je pense que c'est le talent qui est en moi et qui me permet de le faire avec tant de passion. Certains sont petits, certains sont grands, certains sont natifs, d'autres sont immigrants. J'ai tellement menti que je vois la vérité, celle que tout le monde doit savoir. Donc la principale source d'inspiration, c'est vraiment les erreurs de la vie, les choses qui m'ont fait changer, les choses qui me poussent à avancer. Et bien sûr, les bons moments, comme les moments comme aujourd'hui. C'est sûr que quand je rentre chez moi, j'écris des tonnes de chansons parce que mon subconscient aime ça. Parce qu'il dit, ah, tu voulais vraiment, tu l'as bien fait, on le fait bien ensemble. Et là, je suis là avec vous. Donc, c'est vraiment mon inspiration, vraiment. Il y a eu beaucoup de modifications avant, mes textes étaient plus profonds. Mais comme vous avez entendu, j'essaye de raconter des scènes de la vie que les gens vivent. Pour que quand ils écoutent, ça puisse résonner dans leur cœur. Certains sont petits, certains sont grands, certains sont natifs, d'autres sont immigrants. J'ai tellement menti que je vois la vérité, celle que tout le monde doit savoir, mais avec personne. Oh, comme j'ai dit dans la chanson, hein, parfois je suis drôle, parfois je suis con. C'est fou comment j'excelle sous la pression. Mais je suis un gars simple, j'aime aider, j'aime servir. J'aime ma famille, j'aime ma fille, j'aime l'amitié, j'aime rire. J'aime voyager, je suis un homme très très simple dans la vie de tous les jours parce que je pense qu'on est, c'est ce qu'on est, nous sommes tous simples. J'ai perdu un ami derrière moi, ça te remet en perspective que notre talent c'est un arbre, c'est un arbre, un pommier c'est un pommier, c'est tout. Si mes rimes pouvaient s'exprimer, tu comprendrais le sens. Si mes larmes pouvaient chanter, tu tomberais en transe. Thank you.